to go. Dans l'épisode précédent de Tales of Symphonia. Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tales of Symphonia. Donc je vous ai fait un petit résumé de l'épisode 1 avec l'OAV de Tales of Symphonia. J'espère que ça vous a plu. Je referai ça pour bien sûr tous les épisodes. Alors, la dernière fois on venait de récupérer l'anneau du sorcier, donc on peut y accéder maintenant à la salle qui nous intéresse depuis le début. Par contre, je vais juste passer par là parce que je sais qu'il y a un coffre de planqué. Et il y a des bestioles aussi, ça commence bien. Alors, je vais m'occuper des blobs. Voilà, ça va être plus rapide. Et j'ai hâte de changer d'arme. Parce que les épées en bois, là, je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Allez, un niveau de plus. La vidéo commence bien. Ah bah, il n'y a pas qu'un coffre. Vous voyez, il y a plusieurs coffres. Alors, une gelée de pommes. Une fiole vitale. Et 250 flouzes. C'est pas mal. Alors, je ne sais pas si je vous mets les synthèses. Non, c'est pas utile. Allez. C'est des petites synthèses comme ça de temps en temps, mais c'est pas vraiment intéressant. Je veux dire, c'est pas intéressant dans le fait que ça raconte pas plus de l'histoire. Et je me suis fait attraper par je sais pas quoi. Bon allez, l'araignée. Saleté de fantôme. Allez, meurs! Voilà. C'est pas mal. Ah, une loupe magique. Ça va être super utile contre certains boss. Bon, allez, maintenant qu'on a l'anneau, on peut y aller. Oh, c'est tout ce que fait l'anneau du sorcier? Ah, rien t'ennuie, toi. Eh oui. Bon, allez, on se téléporte et on va avoir droit à une petite cinématique. Allez, à tout à l'heure.
This appears to be the top floor. Yes, that's the altar. Then that shining thing there must be the Crucius crystal. That's right. They say I was born with that in my hand. Look at that light! Angel, I would assume. So, is that Colette's real father? I am Remiel. I am an angel of judgment. The time has come to awaken the goddess Martell, who sleeps at the center of the world. Awaken the goddess Martell? It's just like the legend Rain told us about. From this moment, Colette becomes the chosen of regeneration. We of Crucius bless this event, and hereby bestow the Tower of Salvation upon Silverant. So that's the Tower of Salvation. Now the world will be saved! Colette, the chosen of regeneration. I humbly accept this task. Very good. We of Crucius shall grant you the power of the angels with each seal you unlock. Once you are reborn as an angel, this eroded world shall be regenerated. Thank you. I swear on my life I will regenerate the world. First, head south to the Seal of Fire. Offer your prayers in that distant land. Yes, Lord Remiel. Oh, wait! Please wait! I have a question I wish to ask of you. Are you really my First, head to the Seal of Fire. Understood, my beloved daughter Colette? Father! So you really are my true father? We shall meet again at the next seal, my daughter. Donc voilà, Colette vient de recevoir le cristal du Crucix. Alors, je n'arrive pas à croire que Remiel soit mon père. Je vais bien. J'ai juste été un peu surpris, c'est tout. Donc on vient d'apprendre qu'un ange est le père de Colette. Qui est devenu l'élu. Donc alors, qu'est-ce qu'il a à dire lui? Alors c'était la prophétie, j'aurais voulu que Rain soit là. Oh, et Kratos? Colette doit entamer un long périple maintenant afin de trouver les sceaux.
Tu as entendu la prophétie, élu. Partons maintenant. Oh, d'accord. Nous partons devant. Merci à vous deux. Passez chez moi un peu plus tard, d'accord? Elle est partie. La rumeur disait donc vrai. Quelle rumeur? Que Colette est la fille d'un ange et qu'elle n'a pas vraiment de lien de parenté avec son père. Même si on n'est pas unis par les liens du sang, la famille, c'est la famille. Du moins, c'est ce que je pense. Désolé. Bah, t'en fais pas, va. Allez, on s'en va. Et là, on va assister à une scène assez marrante. Pour Lloyd et Janice. Enfin, qui va être moins marrante pour elle, mais très marrante pour nous. Merveilleux. Professeur ? Mais, qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ? Vous devriez être en classe en train d'étudier. Hein? Oh oh. Rain, je suis désolé. À nous deux, Lloyd. Tu es prêt? Quoi? Non. Hé, arrêtez! Aïe! Bah, tu m'étonnes que t'es mal. Bon, vous deux, j'espère que vous avez retenu la leçon. Alors, retournons à la maison. Il n'y a plus cours aujourd'hui. Et toi, tu fais quoi? Phaedra m'a donné la permission d'étudier ce temple encore un petit moment. C'est rare qu'un citoyen lambda ait le droit d'entrer dans cet endroit. Bon, ma reine est partie. Et nous aussi. Moi ! Qu'est-ce que c'était ? Il ne vaut mieux pas le savoir. Moi je sais ce que c'était. Et oui, c'est Ren, tout simplement, qui passe en mode ruine. Vous allez comprendre dans les prochains épisodes. Ah donc, pour l'instant, je vais retourner à Sylvaran. Par là, je peux... Oh, un gros monstre. Allez, un gros monstre. J'ai envie. Ah, bah enfin, un loup. Donc, je garde le loup pour la fin. Hein. C'est le meilleur pour la fin, toujours. Alors, le faucon. Voilà, le lapin. Ah bah, j'aurais pu faire une brochette, mais non. Vous voyez, on n'a plus personne dans l'équipe, hein, c'est normal. Donc, Kratos et Colette sont partis. On se retrouve avec Janice. Mais c'est tout aussi efficace. Bon allez, on retourne à Isselia. Pour la suite de cette aventure. Oui, j'esquive les monstres. Hein. De toute façon, ils m'attaqueront d'eux-mêmes. Alors, on va sauvegarder au passage. Histoire de... Voilà. Ah, il y a du monde qui est revenu. Alors, si ces Dizions venaient de la ferme humaine de la forêt d'Isselia, ils sont peut-être encore dans le coin. Lloyd, même si tu tombes sur des Dizions en rentrant chez toi, ne les affronte pas. Bon, eh ben on va aller chez Colette. Il me semble que la suite de cette aventure... Enfin, la suite de l'aventure se passe ici. Ben, we shall entrust the protection of the Chosen to Kratos and Rain. I have no objections. Thank you so much for your help earlier. Oh, you're back. Thank you for your assistance earlier. Please accept this small thanks. Yes, le compendium. Thank you. Thanks, Phaedra. Say, were you talking about the world regeneration journey just now? Yes. Wow, I want to go too. I want to see Colette regenerate the world. If Rain is going, I want to go too. No, you'll get in the way. What?
What? The battles at the chapel were nothing compared to the journey that awaits us. Children need to stay home. Kratos is absolutely right. Now then, we still have things to discuss. You two should go on home. Voilà, on est foutu à la porte. Please wait. I'm sorry. It's not like it's your fault. Oh yeah, I'm sorry. Listen. Never mind. Oh yeah, happy birthday, Colette. I baked you some cookies. If I knew you'd be leaving tomorrow, I would have made something a little more special, but... No, no, I love your cookies. Thank you very much. So what about you, Lloyd? You promised to make her a necklace, right? Don't tell me you forgot. It's almost done. I'll give it to you tomorrow before you leave. I swear. Really? I'm so happy. As soon as I find out when we're leaving, I'll go to your house to let you know. Isn't it going to be dangerous? I'm the Chosen, remember? I'll be fine. See you later then. If I start now, I'll finish it in time. Oh, really? Well, whatever. By the way, you're going home now, right? Can I go part of the way with you? Sure, but where are you going to go? I'm going to see a friend. Huh? I didn't know you had friends outside the village besides me. Does it matter? Anyway, can we swing by my house? So I can get my stuff? Allez, direction la maison de Janice. Qui se trouve... quelque part par ici, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, voilà, c'est ici. Alors, hop. Ça y est, on est chez toi. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais fais vite. Ça ne prendra pas longtemps. Entre. Ah bah allez, on va rentrer. Non mais, casse-toi le chien. Voyons voir. Il devrait y avoir des ingrédients pour faire des sandwichs ici. Quoi? Tu disais que tu voulais te préparer, tu voulais dire prendre des ingrédients? Pourquoi est-ce que ça a tant d'importance pour toi? Tu devrais prendre la cuisine au sérieux, Lloyd. On ne peut pas utiliser d'art de guérison, alors il faut de la nourriture pour prendre des forces. Oui, tu dois avoir raison. Les gelées de pommes ne sont pas données après tout. Exactement, la cuisine c'est important. Voir les explications de la cuisine, non. Donc voilà, on a des ingrédients pour le sandwich. Donc du coup maintenant on peut y aller. Oui, je visite un peu la maison. Allez, on s'en va. Dicelia, on rentre à la maison. Lloyd, fais quelque chose à propos de ce truc. Quoi? Ton animal, cette créature. Noish. Hey, combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans le village? Hey, il t'accompagne toujours au village, ne lui parle pas comme ça. Tiens, ça me fait penser, Lloyd. Le maire m'a demandé de te poser une question. Le maire? Qu'est-ce qu'il veut savoir? À propos de la forêt du nord-ouest que tu traverses, tu sais qu'il y a une ferme humaine sur le chemin, n'est-ce pas? Tu n'es pas allé jouer près de la ferme, pas vrai? Bien sûr que non, pas vrai, Janice? Oui, bien sûr que non. Vraiment? Si c'est le cas, alors ça va. Mais ce drôle d'animal, combien de fois il va falloir que je te répète que Noish est un chien? Oh, pardon, mais c'est qu'il n'a pas l'air d'être un chien. Bref, assure-toi qu'il ne s'approche pas de la ferme humaine non plus. On peut y aller maintenant, viens, Lloyd. Soyez prudents, tous les deux. T'inquiète, pas de main. On y va, Noish.
En fait, Noich, pourquoi est-ce que tu essaies d'entrer dans le village? Il devait sûrement te chercher. Tu crois? Bah oui. C'est logique. Allez. Donc, la forêt. Oui, on n'est pas loin. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. C'est vrai, Noich n'aime pas cet endroit. Il ne supporte jamais des endroits où il y a beaucoup de monstres. Même si on ne voit que très rarement des monstres plus grands que lui. Ah, il s'est encore enfui. Très bien, fais comme tu veux, Noich. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'enfuit. Que s'il s'enfuit, il pourrait au moins nous emmener avec nous. Avec lui, pardon. Donc là, on va affronter d'autres types de monstres ici. Vous voyez, des plantes. Je vais me laisser attaquer. Histoire de me faire un peu d'XP. Donc des aminites, des petits champignons. Voilà, ça va être rapide. Je veux juste prendre un peu d'XP. Ah bah. Hop, et un sandwich. Alors, je vais pouvoir récolter quelques items par ici. Voilà, genre celle-ci, celui-ci, voilà, une gelée de pommes. Et je me fais attaquer. Ah, j'aime pas les guêpes. Voilà, faut que je les tue tout de suite les guêpes, parce que sinon... elles m'embêtent après. Une loupe magique. Ouais, allez, nickel. Je prends. Alors là, il y a un autre coffre. Et je vais me faire attaquer. Bah oui. Et encore une guêpe. Et voilà, ça c'est fait. Et oui, aujourd'hui on traverse la forêt et je me fais poursuivre par une plante. Je m'arrête là, à la ferme humaine des Désians. Est-ce que ce n'est pas une violation du traité de non-agression? Les Désians ont déjà attaqué le temple. Ouais. Je crois bien que tu as raison, mais... je sais que je ne devrais pas. Mais il y a quelqu'un à qui je dois parler de la prophétie. D'accord. Mais ça m'inquiète que tu y ailles seul. Alors je viens avec toi. Allez, on va sauver. Je suis vraiment désolé pour ma gorge. En même temps, il est un peu... il est un peu tôt. Très tôt, même. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, il est vraiment très tôt. Donc là, on a pareil une petite cinématique avec les Désians qui sont là. Et je pense qu'on arrêtera l'épisode juste après. Hey, stop slacking off, slide. Genus, is that your friend? Yeah, I'm Lloyd. I am pleased to meet you. Marble, did you see it? There was an oracle. Yes, I did. I saw the Tower of Salvation. Now the Chosen's journey of regeneration can finally begin. I hope it is successful this time. The last Chosen failed, right? Yes, I heard the Chosen was killed by Desians during the journey. I wonder if Colette will be all right. Let us pray to Martell. May she guide the Chosen on a safe journey. Huh? Hey,
Grams. Her name's Marble. Marble, isn't that an X-Sphere? Oh, is that what this is called? They placed it on me shortly after I came here. Yeah, that's definitely an X-Sphere, but there's no key crest on it. An X-Sphere without a key crest is dangerous. What's a key crest? And how is it dangerous? Attaching an X-Sphere directly to your skin supposedly makes you sick. But ironically, it's useless unless you attach it directly onto the skin. So, in order to prevent it from making you sick, you carve a spell into a special ore and use that as a mount for the X-Sphere. That's the key crest. You're very knowledgeable. But it looks like Marble's X-Sphere doesn't have a mount at all. Nope, doesn't look like it. If the charm was the only thing needed, I could carve one myself, but there's nothing I can do without the inhibitor ore that acts as the mount. There has to be something you can do, Lloyd. It's not as easy as you think. Key crests are dwarven technology. Your dad's a dwarf. Please ask him for help, Lloyd. Fine, fine. I'll ask him. All right. That's why I like you, Lloyd. Please don't trouble yourself. Hey, old hag! What the hell are you doing over there? Oh no, the Desaians. Run away, you two. Hurry. But who knows what they may do to her? I know that, but what can we do? If the Desaians find out we're here, just think about what they'll do to Marble and the people of the village. That's right. You must go. I'm sorry, Grams. What are you doing over here? Who said you could slack off? Get back to work. I'm sorry. What's with that look, huh? Looks like someone's got an attitude problem. No, of course not. I... Shut up! You two, take her to the back! We're gonna give her a little lesson on respect. Yeah! Oh, this doesn't look good. They're taking her to the back. But what can we do? There's gotta be something we can do. Let's find higher ground where we can see what's going on in there. Et c'est parti. Donc la musique là, épique. Marble, donc une amie de... It looks like we can go up from here. Une amie de Janis. Une X-Sphère sans certiclé. Et c'est super dangereux. De plus, les Désians sont en train de lui faire quelque chose par derrière. Non, ce n'est pas une vanne de merde. Ne soyez pas pervers. Ils sont derrière le bâtiment, tout simplement. She's... We've got to save her. But how? You attack the Desaians from here with magic. What? Aren't we gonna get in trouble? We don't have a choice. Afterwards, hide among the bushes and make your way back to the village. I'll act as the decoy. But that'll put you in danger. Don't worry. I'll head down the cliff so they don't see my face. Then I'll run in the opposite direction from the village. Okay. You should replenish your energy before we do this. I've got some leftover cookies from the ones I gave to Colette. Here, have some. J'aime les biscuits. What the? There he is! Stop him! Open the main gate! Are you all right, Marble? Quickly, come this way! Janis, Lloyd, thank you.
Uh-oh. Little brat. Et c'est parti. Encore un combat contre les désirs. Sauf que là, je suis tout seul. Ouais, ça devrait le faire. Hein. C'est pas des ennemis très compliqués, les désirs. Enfin, pour l'instant, tout du moins. Parce que j'arrive à les battre facilement avec l'arme de base. Et voilà. Allez, un petit... Ah merde, j'ai pas réussi le sandwich. Tant pis. Lloyd, they saw your face. I'm sorry, all my fault. Don't worry about it. But... I took out the ones that saw my face, and the rest of them are still back up on the cliff. As long as we hurry up and get out of here, they'll never know. Oh, okay. Just do my homework for me, okay? Okay. All right then. I'm gonna head on home. You should head back to the village. Lloyd... Thanks for helping Marble. Hey, that's what friends are for, right? Analyze the data from the gate surveillance system. Yes, sir! How did a mere human make that kind of jump? Et voilà, donc là on vient de recevoir l'équipement de Janice, je sauvegarde ici. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc on est à 30 minutes, c'est raisonnable. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, c'est vrai que c'est le début de jeu, donc forcément il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de dialogues, il y a peu de combats. C'est tout à fait normal, vu que faut bien que l'histoire se mette en place. Mais je vais le redire, hein, c'est vraiment l'histoire la plus magnifique de GameCube. Donc voilà, et ben je vous laisse sur ça. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, hein, encore une fois. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, pour moi ça me fait toujours super plaisir. Et sinon, ben, je vous dis portez-vous bien, et puis à la prochaine.